Esteban! Mais qu'est-ce qui se passe, Lily Rose? Il y a une femme qui m'a suivi dans la rue et elle nous dit qu'elle est notre mère. Quoi? Attends, j'ai rien compris. Réexplique ton histoire. J'étais dans la rue. Oui. Il y a une femme qui m'a suivi et elle m'a dit qu'elle était notre mère. Attends, mais j'ai rien compris là, ton histoire. Mais si, t'as compris, il y a une femme qui m'a suivi qui nous a dit qu'elle était notre mère. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, il y a quelqu'un qui t'a suivi dans la rue, une femme? Oui. Et elle t'a dit que c'était elle ta mère? Oui. Mais c'est n'importe quoi, comment mais c'est... Mais elle a l'air sûre de ce qu'elle dit, je te promets. Non mais c'est pas notre mère du coup. Bah non. C'est pas Mama Pink. Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais. Là j'ai entendu Lily Rose rentrer dans la maison en criant, du coup direct j'ai démarré la vidéo. Et là tu me dis... Attends, et cette personne elle est encore dans la rue du coup? Bah je pense qu'elle nous attend juste en bas, juste... Elle t'a vraiment suivi jusque mais de... Oui. Elle t'a vraiment suivi jusque dans la maison. Mais oui. Carrément. Même quand je suis rentrée, elle a essayé de rentrer mais je l'ai poussée. Non mais elle est sûre que c'est notre mère? Mais elle est persuadée. Non mais c'est fou ça, comment... Enfin je comprends pas. Mais moi non plus. Comment elle pourrait être sûre de ça? Enfin on mais... a une seule mère et on sait qui c'est. Enfin, bah ouais. Bref, allez, bon. Les amis, on va essayer de résoudre cette enquête. Hein. Encore une fois, une histoire très bizarre chez nous. Et j'espère qu'elle attend pas devant la porte. Non, hein. Sinon ça va me faire flipper. Attends. Je pense qu'elle est restée. Bouge. Attends, j'écoute. Mais reste là quand même s'il m'arrive un truc. Ah, c'est quoi ça? C'est elle! Non, mais vous êtes qui? Non, mais oh! Vous êtes qui? Mais je suis votre mère! Vous êtes qui? Votre maman! T'as vu comment votre elle est? Votre mère! Elle est bizarre! Non, restez là! Quoi? Restez là, attendez! On va fermer la porte, on va s'expliquer un petit peu. On va même fermer la porte à clé. Non, mais qu'est-ce que... Mais arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Dans la chambre, Lily Rose, dans la chambre. Mais elle est folle, en plus elle nous poursuit comme ça. Stop, non, laisse-la rentrer, on va s'expliquer. On va pas la rejeter. Écoutez-moi. Oh, oui. Qui êtes-vous? Mais je suis ta mère, Esteban. Non, mais votre nom. Oh, c'est maman. C'est pas possible. Mais Mamie, viens. C'est quoi ce bruit? Vite, regarde. Oh, bonjour. Ça fait longtemps, je viens récupérer les enfants. On comprend rien à ce qu'elle dit. Mais oui. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas la première fois que je la vois. Attends, arrêtez, deux minutes, personne ne parle, j'explique là. Alors, cette personne... que tu vois devant toi, hein, voilà, oui, cette non, femme a suivi Lily Rose dans la rue et elle prétend être notre mère. Elle dit que c'est elle notre mère, voilà. Ah oui, c'est moi. Alors à moi, à Lily Rose. À Lily Rose. T'es pas notre mère, bouge de notre maison. Tu viens avec moi, Lily Rose. Madame, venez ici. Non mais toi, t'as juste ça à dire. Bah non, normalement, je vous connais. Normalement, vous étiez ma femme. Si vous êtes la mère d'Esteban et Lily Rose. Voilà, c'est pas notre mère. Ah non, qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez, je vous ai reconnu. Madame, il y a notre vrai père, Peppa Pink, que tout le monde connaît depuis des années. Voilà, que moi, je connais depuis 21 ans. Lily Rose, est-ce que tu connais Peppa Pink depuis combien de temps? Depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Est-ce que tu connais cette personne? Pas du tout. Mais en y réfléchissant bien, je l'ai déjà vue dans la rue, en train d'espionner. Elle me paraissait un peu bizarre. Ah, vous nous espionnez, madame? C'est pas possible! C'est faux! Maintenant, Lily Rose, elle vient avec vous! Elle est déjà venue! Non! Comment ça se fait que vous êtes ici? Non, déjà, il y a quelque chose qui va pas bien se passer entre nous. Pourquoi vous voulez partir avec Lily Rose? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ma fille! Non. C'est votre fille, mais non, c'est pas votre fille. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Vous êtes rien du tout, vous êtes juste une inconnue. Peppa Pink. Vous appelez comment? Raccompagne cette femme jusqu'à la sortie de notre maison. Raccompagne cette femme jusqu'à la sortie et ferme la porte à clé. Vous n'avez pas venir. On a vos photos, madame. Bon les amis, heureusement que j'ai filmé encore une fois, parce que là on aura plein de preuves à montrer à la police ou je sais. Mais je sais pas. Elle a pas voulu nous donner son nom. Elle a dit j'ai dit donne-moi ton nom. Elle a dit c'est votre mère, je suis votre mère, tout ça. Impossible d'avoir une vraie identité. Mmh. On fait quoi? Je sais pas, mais il faut juste qu'elle parte d'ici parce qu'elle fait peur. Bon. Là, je pense que les amis, on est sur une situation, j'avais déjà entendu parler de ça sur internet à l'époque, on est sur une situation de fausse mère. C'est des personnes folles qui se font passer pour vos parents
On sait pas pourquoi, parce qu'ils sont fous, parce que ils veulent. Parce que là, elle voulait faire quoi quand t'étais dans la rue, Fort? Mais je sais pas, elle voulait juste me suivre. Elle m'a dit on prend une photo ensemble, comme ça je deviens vraiment ta vraie mère. Mais t'inquiète, je suis vraiment ta vraie mère. Mais elle voulait prendre une photo de mais toi. Mais tes parents, c'est pas tes vrais parents, ils t'ont menti. Non, à mon avis, c'était une fan, une grosse fan, qui voulait se faire passer pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est quelqu'un de fou. Moi, j'ai pas confiance. C'est pas une abonnée. Là, ce que Lily Rose a dit, je sais pas si t'as entendu, mais c'est clairement quelqu'un qui veut que vous soyez plus nos parents. Elle veut nous récupérer. Elle veut récupérer Lily Rose, que ça soit sa fille. Donc, en tout cas, j'espère ne plus jamais la revoir dans notre maison. J'espère bien fermer la porte. Ouais, bah moi aussi, parce que j'espère ne plus jamais la revoir dans notre maison. On va quand même ver. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Bon, non, on vous a vu. Vous avez vu. Vous êtes encore rentré une fois. Là, c'est trop. Non. Et en plus, viens avec moi, Stéphane. Écoutez, là, c'est non, c'est trop. On va la mettre. Écoutez, pas en fait. On la met au sous-sol. On la met au sous-sol et on appelle la police. Là, je prends pas de risque parce que après ce que Lily Rose m'a raconté, qu'elle voulait que, elle raconte des histoires là. Vous êtes, c'est vos faux parents. Moi, je suis votre vraie mère. Elle voulait embarquer Lily Rose, etc. Ça sent la personne folle. Attention qui. Allez, on y va. Venez ici. Non. De toute façon, maintenant, on est trois. Vous êtes toutes seules. Allez faire ce qu'on vous demande. Allez dans le shop. Non. Dans le shop. Ah voilà, de toute façon si vous étiez vraiment notre mère, vous connaîtrez la route par cœur. Et c'est pas le cas. Allez, asseyez-vous ici. Non, on a l'habitude des et gens. Et vous avez intérêt de rien voler parce que. Ah bah, si vous êtes vraiment la mère de Lily Rose, voilà. Alors elle est née quel jour? Elle est née quel jour? Oui. En 27 avril. 27 avril, bon ça. Quelle année? Elle te connaît bien. Quelle année? 2010. Ouais, mais je suis quel signe astrologique? Alors comment vous vous appelez, votre nom, prénom? Jessica. Notre mère ne s'appelle pas Jessica. Ouais, notre vraie mère ne s'appelle pas Jessica. Comment s'appelle cette personne? Peppa Pink. Et son vrai nom? Allez. Peppa Pink, c'est Peppa Pink. Non, voilà, voilà. Eh ben voilà. Elle connaît même pas le nom de notre mère. Vous n'êtes même pas une vraie mère. Ouais, non, mais là, c'est tout. Là, il y a trop d'éléments. Elle a essayé d'apprendre 2-3 informations sur... Oh. Elle a appris des informations pour essayer de nous avoir, sauf que ça marchera pas. Bon, écoutez, vous allez rester ici. Non. Si. Allez, on ferme la porte. Reste à l'intérieur. Elle reste à l'intérieur. C'est bon, tac. Bon, les amis, je pense que cette fausse mère risque de revenir régulièrement sur la chaîne. Parce qu'à mon avis, elle va pas nous lâcher la grappe de sitôt. Elle va continuer à nous embêter. Bah, elle est pas contente. Nous, on va appeler la police pour expliquer toute cette histoire. Ouais. Mais bon, à mon avis, elle va essayer de rentrer chez nous. Ouais. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à suivre les aventures de la fausse mère. Et à la prochaine. Bye. Ciao.